Hello, bonjour chez vous. Ange Prisca d'Enzo, Ange Prisca le blog. Défibrillateur des réseaux sociaux, Ange la vérité, Ange la solution. Vous allez bien, moi je vais super bien. On va traiter pour cette journée deux thèmes. D'accord? Le premier thème, bon, on a deux thèmes, hein? Le premier thème, c'est nos hommes africains qui aiment les enfants garçons par rapport aux enfants filles. Le second thème, c'est les mamans africaines qui préfèrent leurs conjoints à leurs enfants. On choisit lequel à traiter en premier. Vous avez un là tout de suite ce matin et puis un le soir. Choisissez, dépêchez-vous, je vous attends. Les mamans africaines qui préfèrent leurs conjoints à leurs enfants. Et puis on a les hommes qui aiment les enfants garçons par rapport aux petites filles. Bon, c'est ma page. Voilà. C'est moi qui choisis. Bâche. J'ai choisi le premier. Le premier, c'est les hommes qui aiment les enfants garçons. Oui. Dans la communauté africaine, c'est connu. Quand j'étais enfant, quand j'étais beaucoup plus jeune, c'est connu. Alors, je vais vous raconter ma propre histoire. Parce que je ne vais pas laisser pour moi et puis aller raconter pour les autres. Mon père a reproché à ma mère qu'elle ne faisait pas de garçon. Je pense que c'était un prétexte pour justifier son irresponsabilité parce qu'il a eu un garçon avant de rencontrer ma mère. Et cet homme-là, ce garçon-là, mon grand frère, mon père n'a jamais rien fait pour ce garçon-là. Rien. Même pas payer ses études. Le jour où on partait l'enterrer, le jour où je partais enterrer mon papa, quand j'ai vu mon grand frère, j'ai pleuré. Je n'ai pas pleuré la mort de mon père. J'ai pleuré la condition de mon frère aîné. Parce que mon père avait les moyens pour bâtir ce garçon, pour bâtir son premier fils qu'il a eu très 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 jeune. Jusqu'à ce que mon frère aîné me dise que papa n'a rien fait pour moi. Papa m'a verrouillé. Je prononce ses propres mots. Et pourtant, à Korogo, mon père a accusé ma mère de je ne sais quoi, parce que ma mère lui a donné trois filles successives. Ma grande soeur, moi. Entre ma grande soeur et moi, il n'y a que 18 mois d'écart. Entre ma petite soeur et moi, il y a 5 ans, il trouve que ma mère a fait trop de filles. Donc, les problèmes ont commencé là. Quand ma mère a donné naissance à ma dernière petite soeur, il voulait un garçon. Et ma mère a fait une fille. Les problèmes ont commencé là. À Korogo encore, donc c'est connu, hein, c'est connu. À Korogo encore, il y avait une tata, une amie à ma mère, Madame Koulibaly. Elle a épousé un Sunfo, elle-même elle est Sunfo aussi. Les deux sont Sunfo, mais Sunfo chrétien. Et elle a fait jusqu'à sept filles. Quand elle mettait au monde la septième fille, sa dernière petite fille s'appelait Zénab. Quand elle a pris la grossesse, elle n'a pas voulu faire une échographie. Parce que son mari la stressait. Il lui a dit, si tu fais cette grossesse, si tu as fait fille, moi je te laisse. Elle a fait une fille. Je vais vous expliquer. Très chers hommes africains, en fait, vous êtes tellement ignorants que je vais vous expliquer ce qui se passe avec cette histoire de filles ou garçons. Pour ceux qui sont allés à l'école, nous savons tous que l'homme et la femme, quand ils se mettent ensemble, quand ils ont des rapports sexuels, ce qui détermine le sexe d'un enfant, c'est les chromosomes que l'homme donne et que la femme donne. Donc, quand il y a union, l'homme donne, la femme donne. Sauf que nous avons des chromosomes XX. Et l'homme a la paire XY. Donc c'est la semence de l'homme. C'est ce que l'homme donne qui définit le sexe de l'enfant. Je vous explique. C'est-à-dire que je vais peut-être prendre une feuille blanche comme ça. Parce que je peux comprendre qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas. Alors, c'est-à-dire que l'homme est ici. Et puis la femme est ici. L'homme, il est là. L'homme, il est grand. La femme est ici. Quand il y a union, l'homme ici. L'homme, lui, il donne XY et la femme donne XX. D'accord? Donc l'homme donne. C'est renversé. Bon, on va faire comme ça. Vous voyez, c'est renversé.
Donc voici l'homme. L'homme donne XY, la femme donne XX. Vous voyez? Donc quand il y a union, pour définir le sexe de l'enfant qui va naître là, soit, parce qu'il faut que l'homme dégage un, la femme dégage l'autre. Donc quand la femme dégage, dans tous les cas, elle dégage toujours XY. Elle n'a pas le choix. L'homme, il dégage X ou il dégage Y. Donc quand l'homme, quand pendant que les deux là, ça s'accouple là, quand l'homme dégage un, s'il a dégagé Y, la femme qui dégage toujours XX, ça donne un garçon. Quand l'homme dégage X, la femme qui dégage toujours XX, ça donne une fille. Donc c'est vous, comme vous êtes des dieux, c'est vous qui définissez, c'est vous les hommes qui définissez le sexe d'un enfant. D'accord? Et ça, c'est scientifiquement prouvé. Ceux qui ont fait la classe de terminale, on a étudié ça en première et en terminale, en SVT. D'accord? Voilà, c'est pas un débat. Ok? Ça, c'est pour les ignorants. Donc, quand vous, les hommes, vous voulez que vos femmes vous donnent des garçons, c'est à vous de faire le travail. Donc, vous pouvez commander. Commander, c'est Dieu qui définit ça. Hein? Mais je vous dis que c'est vous, votre sémence là, qui donne le sexe de l'enfant. Sinon, nous, on a XX. Quel que soit alpha, nous, on lance toujours X. Donc, c'est vous qui donnez soit X, soit Y. Donc, comme vous avez le pouvoir de commander, mais commander, si tu veux un garçon, il faut libérer un Y. Comme ça, quand il rencontre le X de la femme, ça fait une femme, un garçon. Vous ne pouvez pas commander et puis c'est vous qui accusez vos femmes de sorcières. Donc, la maman de la petite Zénab, là, elle a fait sa 7e fille. Et le monsieur, il a laissé son foyer. Il dit que lui, il ne veut plus d'elle parce que ses parents se nous font lui mettre la pression. Ses parents se nous font lui dire que ta femme, là, elle n'y a pas héritier. Nous, on veut un garçon. Il allait prendre ses parents se nous font lui en donner une femme. Dieu dit, attendez-moi. Vous savez, le second nom de Dieu, on appelle ça la patience. Dieu donne réponse. Hein? Tonton Koulibaly, il allait faire enfant avec sa nouvelle femme. Elle a fait jumelle. Vous m'avez entendu. Il a dit, tout Korogo s'est moqué de lui. Maintenant, là, maintenant, Dieu va lui donner une deuxième réponse. Toutes ces 7 filles étaient surdouées. Alors, pour ceux qui ne savent pas, les enfants surdoués, c'est des enfants qui ont un QI au-dessus, très au-dessus de la moyenne. Toutes ces filles sont surdouées à telle sorte que ces filles ont le bac à 16 ans. Et à l'époque, c'était au temps du président Bédier. Au temps du président Bédier, il y avait un prix qu'on appelait le prix d'excellence. Et il y a une année, je ne sais plus c'est en quelle année, il y a une année, Bédier était encore au pouvoir, donc c'était avant 99. Je crois que c'était l'année 97 ou 98. C'était entre les deux années. Les deux filles de Maman Koulibaly ont eu le prix d'excellence du bac. C'est elles qui ont eu les plus grosses notes au bac. Collège catholique Saint-Jean Bosco de Korogo. Les deux étaient en... Il y a une qui était en terminale et l'autre était en première. Et celle qui était en première a passé en candidat libre parce qu'elle était surdouée. Il y a une qui avait 16 ans, l'autre avait 17 ans. Les deux ont eu le bac. Elles ont été primées à la présidence. Et les deux ont eu une bourse pour aller étudier au Canada. Maintenant, toutes ces filles sont surdouées. Toutes ces filles ont réussi. Je ne sais plus ce que cette histoire est devenue. Par contre, il y a une autre histoire comme ça qui s'est passée à Lakota, où il y a une maman qui a fait 8 filles, 8. Elle n'a pas fait des garçons. Une maman bêtée. Son mari l'a laissée pour ça. Son mari l'a laissée. Elle a 8 filles. Il dit c'est une sorcière. Que lui n'a jamais vu femme qui fait enfant jusqu'en 8 filles. Il a laissé puis il est parti. La dame a vendu Placali. Elle a vendu les beignets. Elle a vendu toutes sortes de commerces. Elle a mis ses filles à l'école. Elle a vendu. Il y a deux qu'elle a emmenées à l'extérieur. Les deux qu'elle a emmenées à l'extérieur, elles sont venues au Canada et puis en Europe pour étudier. Elles ont étudié. Elles ne sont pas venues faire dossier. Toutes les filles ont réussi. Il y a une qui est professeure d'université. Il y a deux qui sont ingénieurs. Il y a un qui est docteur, médecin, docteur. Et puis, je ne sais pas. En tout cas, elles ont réussi. Aujourd'hui, quand la femme, il y a la fête des mères ou son anniversaire, elles font concurrence. Ils ont construit une grosse maison pour les mamans au pays là-bas. La femme, là, elle change de voiture. Tous ces 8 enfants ont réussi. Donc, les enfants, là, font concurrence. C'est moi qui achète la voiture du moment, cette fête des mères, là. C'est moi qui achète ça. J'ai dit que. Donc, vous,
les hommes là même, de quoi parle l'auteur du test? Vous savez, vous demandez garçon. Garçon même qui vous-même, attends. Toi-même, tu es garçon là. Toi, tu as pu offrir quoi de concret à tes parents? Tu es garçon, non? Est-ce que garçon même peut créer quelque chose dans la vie de ses parents? Les hommes garçons qui créent quelque chose dans la vie de leurs parents là, c'est ceux qui sont, c'est les grands footballeurs internationaux et puis les grandes stars. Sinon, quand tu prends un citoyen lambda qui est un homme, pour qu'il enlève l'argent pour acheter maison de sa maman, c'est que c'est un politicien voleur. Sinon, vous, nos hommes là, qui avez des salaires ordinaires, vous ne pouvez pas offrir maison à vos mamans ou bien à vos papas ou bien voiture. Est-ce que tu as fini de t'occuper de ta femme et de tes nombreux enfants, sans compter tes maîtresses? Donc, tu ne peux rien créer dans la vie de tes parents. C'est enfant-fille, là. C'est enfant-fille, on dit, on a fait enfant. Ah, si, si. Vous voulez qu'on en parle? Vous voulez qu'on en parle ici? Il y a des mamans qui ont fait que des garçons. Il y a des mamans, là. Elles n'ont fait que des garçons. Même si elles ne le disent pas, leur âme, là, ça pleure. Pourquoi? Parce que ce qu'une femme va faire, là, c'est pas la même chose. Tes garçons ont réussi, hein? Les garçons ont réussi. Ils vont s'occuper de leur maman. Ils peuvent faire... Ils vont s'occuper de leur maman. Mais il y a un truc qui manque. Il y a un truc qui manque. Que nous, les filles, là, nous, on apporte. C'est pour cela que vous allez voir les mamans qui n'ont fait que des garçons. Leurs enfants ont réussi. Les enfants vont s'occuper d'elles. Il n'y a pas de problème. Mais comme ce sont des garçons, ils ne connaissent pas tout. Il va peut-être venir voir sa maman. Il va vouloir peut-être lui offrir quelque chose. Il va... Mais la fille, elle va penser tout de suite à acheter une cuisine de 15 000 euros à sa mère. Le garçon ne pensera pas tout de suite à ça. Il va peut-être penser à autre chose. Mais c'est pas la même chose. C'est la vérité, moi, je voulais vous dire. Et puis, quand nous, les femmes, on réussit, là, on n'oublie jamais nos parents. Les hommes, là, c'est des vendus. Et puis, c'est biblique, même. En fait, c'est biblique. C'est même pas une question de c'est vendu. Aujourd'hui, il y a des femmes. C'est pour cela que vous allez aller dans la communauté africaine. Les mamans qui ont fait que des enfants garçons, finalement, elles finissent sorcières. Elles finissent sorcières à 80%. À 85%, je vous assure. Elles sont constamment en rivalité avec leur bru. Parce qu'elles ne conçoivent pas qu'elles aient fait leur garçon. Et que ces garçons-là les laissent. Et puis ils vont acheter une voiture pour leur femme. Maman, c'est la vie. C'est dans la Bible, c'est dans le Coran. C'est la nature même qui demande ça. Tu as fait ton garçon, tu as souffert. Il n'y a pas de problème. Maman, il n'y a pas de problème. Mais à 4h du matin, là, c'est pas toi, il est 4. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Tu as eu ton foyer, tu as eu ta vie. On ne bâtit pas un enfant pour venir faire rivalité de mère avec sa femme. Voilà. Et vous allez voir ça souvent dans la communauté africaine. Nos mamans qui n'ont pas eu d'enfants filles, ils vous disent, elles finissent sorcières. Elles sont aigries. Souvent contre les enfants filles de leur soeur. Parce qu'elles n'ont pas eu la chance d'avoir des filles. Elles ont que des garçons. Les garçons, là, font, hein. Les garçons, là, elles donnent l'argent. Enfant, garçon, c'est l'argent son il peut te donner. Enfant, garçon, c'est l'argent. La petite fille, enfant, fille, nous, on pense plutôt à prendre papa, maman, l'emmener chez le dentiste. Ils vont refaire ses dents. On prend maman, on l'emmène au bord de la mer. On construit sa petite maison. Mais enfant, garçon, c'est l'argent. Vite fait, il va t'acheter une montre. C'est pas la même chose. Donc, c'est pour ne rien même vous chercher enfant-fille, enfant-garçon. Parce que toi-même, tu es garçon là. Faut me dire, tu as donné quoi à ta maman? Faut me dire. Tu es en train de lutter ici avec les factures de la maison. Parce que c'est toi qui es le chef de famille. C'est toi qui es obligé de t'occuper des enfants. Tu gagnes combien? Et puis, tu vas donner combien à ta maman et puis à ton papa? C'est nous les femmes là. Les femmes, surtout quand elles sont intelligentes, hein. Quand une femme est intelligente, pas les femmes, les filles bêtes, bêtes là, les celles qui ont la tête là, elles marient les bons quelqu'un là. C'est elles qui vont aller prendre l'argent pour donner à leur truc, à leur maman, construire maison pour leur maman. Vous allez arriver sur la diaspora. Moi, je travaillais dans les parcs là, toutes mes mamans bêtées là, toutes mes mamans de la diaspora là, elles ont construit maison pour leur maman en Afrique. Que ce soit mes mamans maliennes, mes mamans djoula,
Mais mon maman bété, guéré, baoulé. Elles font leurs petites tontines. Elles prennent un petit prêt avec leurs banquiers. Elles ont un petit 20 000 euros là. Elles construisent une petite maison pour leurs mamans. Les hommes de la diaspora là, ils sont combien qui ont acheté maison pour leurs parents en Afrique? Il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Donc, on parle de quoi en fait? Comment tu peux quitter une femme parce qu'elle te donne que des filles? Mais quelle stupidité! C'est quoi cette mentalité de misère? Comment tu peux mettre fin à un mariage sous le prétexte farfelu que ta femme ne te donne pas de garçon, donc d'héritier? Ça veut dire quoi, héritier là? Il n'y a que l'homme qui hérite. La femme aussi, elle n'hérite pas. C'est en cela que nous disons que nous sommes égaux. Quand on parle d'égalité entre homme et la femme, là on parle d'égalité de droit. On ne parle pas d'égalité en termes physionomiques ou physiologiques, si on veut le dire comme ça. Parce qu'on sait tous que l'homme et la femme ne sont pas égaux. Puisque vous avez un pénis, nous, nous avons une foufoune. Donc, on ne peut pas être égaux, de toute évidence. Je vais dire, c'est bon, tant qu'à faire. Mais bref, la femme hérite au même titre que l'homme. C'est en cela que nous, on parle d'égalité. Quand papa et maman décèdent, s'il y a deux garçons et puis il y a une fille, on hérite au même point. Il n'y a pas à faire de dire que non, comme c'est les garçons, ils auront plus que la fille. Non. C'est en cela que nous, on dit qu'on est égaux. L'égalité, c'est au niveau du droit. Les petits garçons, la petite fille a les mêmes droits que le petit garçon dans une maison. Si le petit garçon lave, si la petite fille lave la vaisselle, le petit garçon aussi doit aussi laver la vaisselle. Oui, oui, si. C'est des conneries que nos mamans ont fait. Où le petit garçon va jouer au football et puis c'est la petite fille qui lave la vaisselle. C'est des bêtises parce qu'aujourd'hui, voilà, on trouve des hommes qui ne savent même pas débarrasser une assiette après avoir fini de manger. On a créé des petits roitelets, des rois pauvres avec des couronnes en pacotille. C'est en cela que nous, on parle d'égalité. La petite fille qu'on met à l'école, le petit garçon aussi, on le met à l'école. Il n'est point question que parce que le foyer n'a pas de... d'assez de revenus, on va déscolariser la petite fille au profit du petit garçon. C'est en cela que nous, on parle de droit, égalité, ensemble. On est égaux à ce niveau-là. Si vous n'avez pas l'argent pour mettre vos enfants à l'école, on va tous s'asseoir à la maison. Il n'y a pas à faire de ces garçons qui vont partir, puis nous, on va s'asseoir à la maison. Vous avez compris? Donc, vos bêtises de dire que vos femmes, quand elles ne font pas filles, quand elles ne font pas garçons, hein, vous allez les laisser. Mais quand vous finissez de les laisser là, ne revenez pas après raser les murs. Hein, parce que la tata de Lakota là, son mari est revenu après raser les murs. Les enfants là l'ont chassé. Vous connaissez nos mamans. Oh. Leur premier amour là, elle voulait reprendre son ancien mari qui l'a laissé. Elle a 8 enfants là. Elle voulait le reprendre. Sa fille aînée qui est professeure d'université là, elle a pris sa voiture quand elle est descendue à Lakota. Quand elle est descendue à la côte, elle a trouvé son papa là. Elle te l'a jeté dehors. Et puis, elle a donné deux mots de la même famille à sa maman. Elle a mis trois adjectifs qualificatifs, deux compléments directs. Oui, et puis elle a mis deux adverbes de manière. Elle dit, toi, si je vois ta chose là ici, tu vas voir avec moi. Elles ont mis leur papa dehors. Il est dans la misère là-bas. Et puis, sa femme est dans grosse voiture. Rempli dans sa maison là, employé des maisons là, même ça pullule partout. Et pullule dans un petit village perdu là-bas du canton de Lakota. C'est comme ça. C'est enfant-fille qui crée le son ici.